devant. Ceux qui veulent le baptême, levez les mains. Degenen die gedoopt willen worden, willen jullie handen in de lucht steken. Ceux qui veulent le baptême. Degenen die gedoopt willen worden. Lève-toi. Qui d'autre? Venez anders, pour le baptême, venez. Kom naar voren om gedoopt te worden. Baptême, venez. Qui d'autre veut le baptême aujourd'hui? Viens. Wie wil gedoopt worden Voir vandaag? Kom. Kom naar voren. Qui d'autre veut le baptême? Wie anders Viens. Wil gedoopt worden? Kom naar voren. Merci Seigneur. Dank u Heer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Toi aussi. Jij ook. Toi aussi. Jij ook. Tu n'es pas baptisé, hein? Ben je gedoopt? Ok, d'accord. Wow. C'est toi un papa Aude, hein? Die Aude, daar ging over jou. Viens me voir à la fin. À la fin. Kom aan het einde van het programma zien. Quelqu'un souffre au niveau de sa colonne vertébrale. C'est qui? Iemand is aan het lijden door middel van zijn wervelkolom. Vous le baptême. Jullie willen gedoopt worden? Magnifique. Wonderbaarlijk. Magnifique. On va les bénir. Vous pensez que Dieu peut guérir sa colonne vertébrale là? Denken jullie dat God aan wervelkolom gaan zegen? Kan genezen? Ça fait combien de temps? 4 ans. Hoe lang is het al? 4 jaar. Tu es marié? Ben je getrouwd? Nee. Tu vis seul? Je leeft alleen. Avec des enfants? Oui, met de kinderen. Combien? Hoeveel kinderen? 3 enfants. 3 kinderen. Tu veux te marier? Wil je trouwen? T'es sûr? Ben zeker. Tu penses que tu peux te marier? Denk dat je kan trouwen. Je peux te bénir, tu penses? Dat God jou kan zegenen. C'est fini, c'est réglé. Het is afgelopen, het is in orde. Het is in orde. Bouge. Touche ton dos là. Raak in je rug. Oh Jesus. Le baptême que tu as. Oui. À cette nuit, le Seigneur t'a montré que tu devais venir ici. Tu as eu un songe. Comment tu dormais? Toute la nuit. Toute la nuit. Je t'ai vu ici. C'est de hele nacht. God heeft al laten zien dat ze hier ging komen. Je disais à un ami que je devais aller me faire rebaptiser. Wow. Et God heeft al laten zien dat ze moest opnieuw gedoopt worden. Oh, voyez toutes les hautes, Dieu l'appelle, non sûr. God roept haar. De zalving op haar. C'est sa délivrance. Het is haar bevrijding. C'est sa restauration. Het is haar herstelling. Oh, là où l'ennemi voulait l'avait capté, le Seigneur la sort de là. Waar de vijand al wou vernietigen, God al het eruit gedaan. Au nom de In de naam van Jezus. Enfin, c'est fini, c'est réglé là. Het is afgelopen. La maladie brise les chaînes de la mort. De ziekte, alles. Sort. Fini. De ketting van de dood, alles is gebroken. Ouais. Trois questions. Tu as trois questions à me poser. Oui. Ze heeft drie vragen die zij wil stellen. La première, de eerste is. Est-ce que quand, pendant le jeûne, par exemple, si on pêche, doit-on arrêter le jeûne? Ou continuer et se repentir. Si on pêche, zijn vrouw van ja tijdens het vaste is het mogelijk wanneer zondig dat je kan zonder beleiden en doorgaan met vasten. En tweede vraag. Je suis dans le sommeil et je suis en train de rêver en priant en fait. Je rêve que je prie et ben, je me réveille en train de prier. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas combien de fois, mais quand même plusieurs fois. La tweede vraag is, wanneer ze slaapt, zij droomt dat ze aan het bidden is. Wanneer ze wakker wordt, ze is ook aan het bidden. Maar ze begrijpt niet, ze heeft daar zoveel meegemaakt. Donc, c'est une bonne chose. Het is jouw geest die aan het bidden is eigenlijk. Het is niks anders. Dieu t'appelle à la prière, faut prier encore pour les gens, prier encore pour les malades. God roept jou om te bidden voor mensen die ziek zijn. Et surtout, pour l'adorer davantage. Ook om hem te aanbidden ook. Et en fait, ça fait la deuxième fois que je vous vois. Mais à chaque fois, vous passez, mais je ne sais pas pourquoi vous ne vous arrêtez pas chez tout le monde, ou faut-il, ou alors Dieu vous demande de choisir des personnes. C'est Dieu qui me demande de faire ça. Et quoi? Et il se dit à Frau, comme d'habitude. Moi, je n'ai rien de mal, je me pose la question. Est-ce que je suis parfaite, hormis des péchés, bien sûr, mais à part ça, est-ce que je n'ai rien, vous retirez? Dieu retire des démons sur certains. Dieu. Tu veux être délivré?
Willen bevrijd worden? Dus zeggen ja, zeker, ik wil bevrijd worden. Ton papa, il est où? Waar is jouw vader? Papa en Afrique. Mijn vader is in Afrika. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Hoe lang heb je hem niet meer gezien? Depuis 2000, on va dire, fin 2006. Eind 2006. Wow. Tu habites ici en Belgique? Wanneer in België? Tu sais que tu vas beaucoup aider les orphelins. Weet je, je gaat veel weeskinderen helpen. J'ai, enfin, c'est dans mes projets en fait. Dat is eigenlijk in mijn projecten dat ik wil. Qu'est-ce que tu m'as montré? C'est ton appel. Dat is wat God me heeft laten zien. Laat zien dat is jouw roeping. Pas étonné, c'est bien parce que Dieu confirme. Donc, als ik ben niet verbaasd. Dat is goed, dat is God bevestigd. Que Dieu la bénisse, là, mes amis, là. Oh, wil u dat God haar zegen? Tu veux le baptême? Ah non, c'est pour. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. God is goed. Ça va mieux, hein? Ça va. Hein? Le Seigneur est bon. Alléluia. Tu voulais quoi? Tu voulais dire quoi? Non, je voulais aussi dire que si j'ai décidé de refaire le baptême, c'est parce que hier, je regardais votre émission sur TV de vie en direct. Et puis, il y a un moment, j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il fallait que je refasse le baptême, même si j'avais fait une première fois. Et parce qu'aussi, j'avais décidé maintenant de vraiment servir le Seigneur totalement. Et donc, le Seigneur me mettait à cœur de refaire ce baptême. Et puis, juste au moment où... Et je sentais en moi qu'il y avait une voix qui disait « Tu ne peux pas fuir ton appel, tu dois y aller. » Et puis, juste après, Frère Trésor a dit, il a dit la même chose. Tu ne peux pas fuir ton appel. C'est maintenant que tu dois y aller. Et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà. Je vais. Ze wil eigenlijk opnieuw gedoopt worden. Want ze heeft bij TV de Vier gekeken. En broeder Trésor die zei ook van, je kan de roeping van God niet weglopen. Het is nu de tijd. T'es déjà venu avec ta maman, non? C'est pas toi? Une dame qui avait des problèmes de fibromes là, que le Seigneur a guéri. Elle avait des fibromes, elle était venue me voir, une dame musulmane. Dat was een moslim vrouw die had problemen. Elle était venue avec sa fille, que tu le ressembles un peu. Je lag beetje op haar. Tu vois qui c'est? Weet je wie dat is? Non, c'est pas, ah non, c'est pas elle. Non, nee, c'est une, nee, dat is haar niet. Trésor, tu rappelles de cette femme? Elle n'est pas venue aujourd'hui. D'accord. Donc toi, tu décides de suivre le Seigneur définitivement. Hein? Oui. Ouais. Bien ça. Elle est de Lille, tu es de Lille, hein? Avec Paul, là, voilà. Ok. Waouh. Gloire à Dieu. La première fois que tu viens ici? C'est la première fois que tu viens. Qui t'a invité? Wie heeft jou uitgenodigd? Ben, je suis venue avec ma belle femme, si je peux. D'accord, gloire à Dieu. Waouh, que le Seigneur soit béni. God heeft jou gezegend. Seigneur, bénis ma soeur. God zegen mijn zuster. Que ta main soit sur sa vie, Père. Dat je hand op haar leven is. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Merci. Dank. Pour cette grande famille que tu lui donnes. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, ma soeur? Wat wil je dat God voor jou doet, mijn zuster? Hein? Change ta vie, hein? Dat hij mijn leven verandert. De ta vie actuelle. Zij is moe, zij is beu, het leven die ze nu leidt. Pense que Dieu peut changer sa vie? Denken jullie dat God haar leven kan veranderen? Quelqu'un est en train de le remettre un passeport. Iemand die zou nu Seigneur, paspoort aan effectivement, geven. Change ta vie. God verandert nu jouw leven. Tout ce qui tourne autour de toi là, je vais t'isoler. Tout ce qui tourne autour de toi là, alles tout ça, là. Une délivrance qui arrive sur toi là maintenant dans le nom de Yeshua. Nu, in Jezus naam. Au nom de Yeshua. In Jezus naam. Ce lien là, Dieu le coupe. Deze verbond, God verbreekt Dieu le coupe. Dieu coupe, Dieu coupe ce lien, cette chaîne que je vois là. Break deze verbond, deze ketting. Voilà. In Jezus naam, verlata. Tu sais qu'on lui a remis un passeport là. Oh, weet jullie, ze hebben een paspoort gegeven. Change sa vie, le Seigneur change sa vie. Jezus verandert jouw leven. Allô, baptême. Het is in orde. Acclame le Seigneur pour leur vie. Ga maar gedoopt worden, we klappen God voor haar leven.